Donc vous êtes coordinatrice et chargée de développement culturel dans différentes associations. Alors vous êtes actuellement en recherche d'emploi, mais vous avez travaillé pour la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en tant que déléguée du secteur culturel sur des missions autour de la lecture et du spectacle vivant. Vous avez également travaillé à l'association Ardèche Images, qui a été créée en 1979, qui est basée à Lussas, en Ardèche, et qui est engagée dans le développement du cinéma documentaire de création. Alors c'est une association importante qui organise notamment les états généraux du film documentaire. Vous avez également travaillé pour d'autres associations comme Autre Brésil. Voilà, vous avez aussi participé à d'autres petits festivals. Au cours de ces 10 dernières années, donc, vous avez accompagné de nombreux projets œuvrant à la diffusion du cinéma documentaire auprès de différents publics en partenariat avec des lieux et des réseaux très, très différents comme des salles de cinéma, des bibliothèques, des MJC. Vous avez toujours été impliqué dans des actions donc, où l'objectif est de rendre la culture accessible à tous et pour tous. Et précision aussi par rapport à votre formation, donc vous avez fait des études en communication interculturelle et socio-anthropologie du développement. Je trouvais ça très, très intéressant. Je voulais le souligner. Je vais vous laisser la parole pour maintenant cette partie sur l'organisation, comment concrètement on peut mettre en place des actions en lien avec l'image animée en bibliothèque. Merci déjà pour l'invitation à cette journée de rencontre. Par rapport à mon expérience, c'est sûr que voilà, je viens parler donc, par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir, que ce soit dans le cinéma ou dans d'autres arts, toujours avec cette casquette un peu d'avoir été médiatrice ou coordinatrice, en tout cas, d'organiser des actions culturelles dans différents types de lieux et d'essayer de les rendre au maximum accessibles pour toutes et tous. Voilà, l'expérience qui, à mon avis, est la plus intéressante pour cette journée aujourd'hui, c'est l'expérience à Ardèche Images, donc l'association qui est basée à Lussas, qui organise l'un des plus importants festivals de documentaires en France. Et dont j'ai été pendant plus de 4 ans coordinatrice d'un dispositif de diffusion de films documentaires. Et dans ce cadre-là, je travaillais avec des salles de cinéma, beaucoup de bibliothèques, notamment la bibliothèque départementale de l'Ardèche, bibliothèque rurale du même type que les vôtres, et aussi des cafés associatifs, des lieux culturels. Je travaillais avec un réseau dans l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement en Ardèche. Donc c'est à ce titre aussi aujourd'hui que je peux vous présenter de nombreux exemples d'actions culturelles autour du cinéma. Et mon propos aujourd'hui, par rapport à l'intervention de ce matin et contre le thème de la journée, c'est de montrer comment on peut valoriser une collection vidéo et notamment organiser des actions culturelles plus largement à partir d'une collection. Essayer un peu d'aller chercher les publics et de le faire avec les moyens qui vous sont donnés. Juste pour vous expliquer comment, un peu le déroulé de mon intervention, ça va se diviser en deux parties, environ donc trois quarts d'heure sur vous parler des expériences que j'ai vues, qui me semblent intéressantes et qui pourraient être applicables à votre bibliothèque. Et ensuite, faire un petit travail en groupe. On va faire trois groupes et puis on réfléchira ensemble à une problématique commune. Voilà, donc je reste ici, comme ça je peux vous diffuser. J'avais rassemblé donc dans une présentation un peu tous les documents. Alors ce que je voulais d'abord, avant de rentrer dans les exemples précis, c'était se dire par rapport le préalable en fait à organiser une action culturelle. Je précise, j'ai l'impression que vous avez un peu des situations, des expériences différentes dans vos bibliothèques par rapport à, on va dire, la mise en place d'actions culturelles. Il y en a qui organisent déjà des projections, qui ont déjà des actions assez développées autour du cinéma. Il y en a qui n'en ont jamais fait, qui n'ont pas de vidéos dans leur bibliothèque. Alors peut-être que certaines choses que je vais vous dire vont vous paraître très évidentes. Voilà, c'est peut-être pour vous, ça relève du bon sens.
Mais je me permets voilà, de redire, peut-être d'insister sur des choses assez basiques qui pourront permettre à tous les niveaux de s'emparer du sujet. Donc déjà, tout simplement, je pense que les questions à se poser, c'est de savoir voilà, dans quel contexte on est, environnement, le public concerné, quel est l'objectif de cette action, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, est-ce que c'est du coup parler davantage aux adolescents qui sont dans mon village, est-ce que c'est organiser un événement qui ait une envergure plus large, sur un territoire plus grand, faire le lien sur le cinéma de patrimoine, voilà, donc c'est déjà des questions un peu basiques, mais déjà se poser cette question à son niveau avant de se lancer dans l'action. Et puis aussi, penser aux personnes avec qui on va l'organiser, l'équipe, si vous avez une équipe dans votre bibliothèque, ou plus largement d'autres bibliothèques. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est l'envie, parce qu'on sait très bien que, à votre niveau, vous êtes souvent très polyvalent, vous avez plein de choses à faire, à proposer en tant qu'intermédiaire dans votre bibliothèque. Et ce qui me semble essentiel, c'est de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de porter et de partager avec le public, ce que vous faites déjà au quotidien. Mais c'est encore plus, je pense, pour le cinéma. Il faut avoir envie de partager des films et dont vous allez parler. Et voilà, c'est même si par exemple, il peut être difficile d'organiser une projection de documentaire, si vous en avez vraiment envie, que vous parlez bien du film, et qu'ensuite vous présentez, vous faites venir un réalisateur, vous le présentez bien, il y aura vraiment une accroche auprès des usagers. Bon, par rapport au budget, bien sûr, donc par rapport au budget, donc j'avais noté en fonction de ce que la bibliothèque départementale va pouvoir proposer, mais aussi des collectivités locales, votre commune, votre intercommunalité, ne pas hésiter à aller un peu taper aux portes, les aides de la région également. Et ensuite aussi, on le verra tout à l'heure dans les ressources, ne pas hésiter à penser aux aides donc des associations spécialisées dans la diffusion d'œuvres cinématographiques, donc notamment Images de la Culture, il y a des programmes de films gratuits, ou avec l'agence de court-métrage, il y a des tarifs pour certains projets, voilà, donc tout ça on en parlera. Essayez en tout cas d'avoir en tête un petit peu toutes les ressources. Et, j'oublie aussi en fonction du contexte de l'environnement du public, ne pas oublier aussi le côté un peu local. S'il y a des artistes qui souhaitent présenter leur travail, essayez de voir un peu quelles sont les envies aussi qui viennent des usagers ou de votre public. Voilà, donc ça c'est vraiment bon, levé à bas, mais je me dis c'est bien de se mettre dans cet état d'esprit-là avant de se lancer dans la mise en place d'une action. Et après, donc pour moi, il y a plusieurs moyens de valoriser une collection de vidéos. Je vais vous les énoncer un peu l'une après l'autre. Et l'idée, c'est ensuite, par les photos qui suivront, de vous parler spécifiquement de chacun des cas qui me vient à l'esprit. Donc tout simplement, proposer un rendez-vous dédié au cinéma, donc ça paraît simple, mais l'idée c'est de faire événement. Si vous avez une collection vidéo et que vous n'en parlez pas régulièrement, les usagers ne vont pas forcément savoir qu'il y a cette possibilité-là. Si vous arrivez à créer un rendez-vous, tout simplement, donc une projection. Donc ce matin on parlait des droits de projection, donc ce sont des droits qui sont des droits différents des droits de consultation. Mais vous avez des catalogues où les droits de projection peuvent être soit gratuits, soit à bas coût. Donc ça ne doit pas être un frein non plus. Donc vous pouvez organiser une projection. Et souvent, ce qui paraît le plus attractif, on va dire, c'est ensuite de pouvoir discuter autour du film. Et pour cela, de faire venir un intervenant. Donc ça peut être le réalisateur, la réalisatrice ou une personne de l'équipe du film qui va pouvoir venir parler concrètement de son film. Donc, je vous montre juste un exemple pour vous donner. Donc Bibliothèque de Villeneuve-de-Berg, qui est une petite commune en Ardèche. Organisation d'une projection dans la salle de la bibliothèque. On parlera aussi des conditions de projection de tout à l'heure. On n'a pas des très bonnes conditions de projection réunies, puisqu'on voit qu'il y a encore le jour, l'écran est un peu petit, etc.
Mais c'était les premières projections et les premières tentatives. Voilà, en gros, on pousse les étagères, on a réalisé une projection. Le réalisateur, qui était un réalisateur du coin, a pu venir. Et ce qui a fait parler de la collection vidéo de la bibliothèque. Et donc, a donné envie de poursuivre et ensuite de s'inscrire dans des événements comme le mois du film documentaire. Donc, il y a un événement, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais qui est un événement qui se passe tous les mois de novembre chaque année depuis 22 ans. Et donc, il y a une manifestation nationale, mais avec une liberté de programmation pour tous, c'est-à-dire que vous inscrivez votre événement, mais ensuite, c'est vous qui choisissez votre film, si vous faites venir les réalisateurs, si vous faites des ateliers. Cet événement, il a l'avantage d'avoir une communication, du coup, au niveau national et puis local, qui est facilitée par l'association Image en Bibliothèque. Et également, Image en Bibliothèque met en place énormément d'aides pour la venue de réalisateurs et réalisatrices sur des programmes de films où les droits sont déjà négociés. Donc, le travail est facilité par ce biais-là. Et donc voilà, on revient à s'inscrire dans le cadre du mois du film documentaire. Donc il y a l'exemple de la bibliothèque de Villeneuve-de-Berg, mais on a aussi, par exemple, pareil, une petite commune, Beaulieu, ça doit être peut-être 600 habitants, donc pareil, toujours en Ardèche. Donc la bibliothèque est beaucoup trop petite, mais là, pour le coup, donc, ils organisent la projection dans la salle polyvalente. Et cette année-là, ils avaient pu faire venir Stéphane Mercurio, qui est une réalisatrice de documentaires assez connue, qui avait fait une tournée nationale, du coup, donc, parce qu'avec Image en Bibliothèque également, pendant le mois du film documentaire, il y a les tournées de réalisateurs et réalisatrices qui sont organisées. Vous pouvez demander à y être intégré, et après, vous payez qu'une partie des frais de déplacement, ce qui permet de faire venir des réalisateurs et réalisatrices que vous ne pourriez pas faire venir par ailleurs. Et toute l'organisation aussi est simplifiée par l'équipe d'Image en Bibliothèque. Donc, c'est une manière très facile, du coup, d'organiser ce premier format qui est la projection suivie d'un débat, d'une rencontre. Voilà, et ensuite, le troisième niveau un peu de l'organisation d'une projection, d'une rencontre, ça peut être autour donc, de cette projection-là, d'aller un peu plus largement, je vais passer tout de suite là, organiser comme un mini-festival. En tout cas, pendant le mois du film documentaire, la médiathèque de Montpellier-sous-Boson, qui est également une médiathèque située en Ardèche, elle choisit une thématique géographique et ensuite elle projette des films en rencontre des réalisateurs, en présence des réalisateurs et également elle propose une exposition photo faite par les habitants et différentes animations. Donc le principe est simple, elle s'est rendue compte, les premières années, elle programmait simplement des films, on va dire, mais c'était déjà beaucoup. Et puis finalement, elle s'est rendue compte qu'en faisant venir des réalisateurs, réalisatrices, ça permettait d'aller plus loin dans le débat et dans l'envie de découvrir d'autres films sur le même sujet. Et après, elle s'est rendue compte aussi que pour faire venir des gens à la bibliothèque qui n'étaient pas forcément cinéphiles ou intéressés par le film documentaire, elle fait un appel en fait, dans le village sur le thème choisi à photos. Et donc du coup, je crois qu'elle laisse à peu près 6 mois, peut-être un peu plus, en disant, ben voilà, cette année, le thème, c'est toute la zone du Royaume-Uni. Si vous avez été dans ces pays-là, qu'il y a des photos que vous avez envie de partager, vous me les amenez. Et du coup, elle organise une exposition collective autour de ce thème, ce qui, en fait, fait venir aussi des gens pendant le mois du film documentaire, qui ne seraient pas venus en se disant, voilà, le documentaire, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer, toujours à cette même échelle, juste d'organiser une projection, les niveaux qu'on peut développer assez simplement. Et toujours pareil, dans le cadre de la médiathèque de Montpellier-sous-Boson, elle a pu avoir des aides à la venue des réalisateurs par l'association Image en Bibliothèque qui organise le mois du film documentaire. Et donc elle arrive avec un petit budget à faire comme un mini festival sur quelques jours. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire un petit peu comme première. On va dire au premier niveau. Tout simplement, organiser une projection suivie d'une rencontre. Alors, je reprends mes notes parce qu'il y a des choses que j'ai rajoutées qui sont venues au fur et à mesure. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport à tout le débat documentaire-fiction, c'est bienvenu ce matin quand on en a discuté,
C'est vrai que dans les bibliothèques, il est quand même beaucoup plus simple d'organiser des projections de documentaires, aussi par rapport à l'accessibilité, au coût tout simplement des droits de projection, et aussi à l'accessibilité des réalisateurs et réalisatrices également, quand on organise une projection à débat. Il est plus facile de les inviter, sur des tarifs d'intervention, ça va coûter moins cher. Donc, il y a le fond, c'est-à-dire l'envie de proposer des documentaires, parce que ça rejoint aussi votre objectif en tant que bibliothécaire, mais aussi de fait, en fait, une facilité, en tout cas pour avoir les gens de l'équipe du film et des films facilement lorsqu'on n'a pas un grand budget. Je voulais vous parler de la question des formats et des propositions adaptées au public visé. Donc, pareil, c'est une question un peu de bon sens, mais on peut arriver du coup à faire des choses très variées en fonction du public. Par exemple, si vous voulez mettre en place des activités pour les plus jeunes, les ciné-goûtés notamment. Alors, je sais, bon, là, vu le contexte, c'est peut-être plus compliqué. Mais je sais que, en tout cas, il y avait un cinéma associatif qui organisait beaucoup ça en Ardèche, à Ruons. Ça fonctionne bien dans l'idée d'avoir une pause, de faire venir aussi les enfants et de partager un moment un peu convivial. Sur les formats aussi, donc on parlait aussi ce matin des projections hors bibliothèque, des partenariats à faire. Y a la question aussi des EHPAD avec lesquels vous pouvez travailler. Donc toujours dans la même commune à Ruons, donc il y avait un travail qui se faisait entre la bibliothèque, le cinéma dans l'associatif dont je viens de vous parler et l'EHPAD. Et du coup, il y avait des propositions de films qui ont été faites notamment à l'EHPAD. Et on a organisé un projet avec eux de programmation de films, d'ateliers en fait, où on leur montrait différents types de films. Et au bout des 3 séances, ils choisissaient le film qui leur avait le plus parlé. Donc il y avait un court-métrage et un long-métrage. Et on les proposait ensuite soit dans la salle de cinéma, soit à la bibliothèque. Et du coup, c'était un format qui permettait de refaire les ateliers l'après-midi. Dans l'EHPAD, et après les projections, elles étaient faites en fin d'après-midi pour que le tout public puisse venir. Enfin, ce qui permettait aussi de faire circuler l'information entre différentes structures de la commune et pour différents âges également. Ensuite, les projections scolaires. Il me semble en tout cas que dans une bibliothèque, alors je ne sais pas pareil quels sont les liens avec les écoles que vous avez autour de vous. Mais on peut en organiser assez facilement avec des droits de projection qui souvent, quand c'est à visée pédagogique, sont très peu chers. Par exemple, le programme qui a été concocté par don de cours d'animation, il se fait avec l'agence du court-métrage. L'agence du court-métrage, il propose des droits de projection à 10 euros pour des films qui vont être proposés à visée pédagogique, donc dans le cadre d'ateliers. Ça, c'est des choses que vous pouvez quand même assez facilement faire. Et pour proposer des rencontres avec des réalisateurs, où on pouvait profiter par exemple de la venue d'un réalisateur dans le cinéma d'à côté, ou justement voir avec d'autres lieux si certains sont intéressés pour organiser une projection rencontre et l'après-midi les faire venir pour une projection scolaire. Donc le dispositif sur lequel je travaillais à Ardèche Images, avait vraiment pour objectif cette circulation-là, c'est-à-dire que de mettre en lien, et c'est aussi, je trouve, l'avantage d'avoir un réseau de bibliothécaires actif, de se dire, moi je vais essayer de faire venir ces réalisateurs, est-ce que ça intéresse d'autres personnes? Nous, il y a l'école qui serait intéressée, et donc d'arriver à mutualiser sur 2-3 jours, sur différents créneaux, la venue d'une personne. Et ensuite, donc ça, c'est ce que je voulais vous parler des formats un peu de projection rencontre, autre que la projection du soir à 18h. Enfin, c'est de voir sur différents publics aussi avec qui vous pouvez travailler, pas forcément les usagers habituels de la bibliothèque, mais également les EHPAD et les scolaires. Après, sur la question du format que vous allez envisager,
se posent forcément... après, c'est des problématiques qui sont très différentes en fonction des bibliothèques. Si ça va mieux fonctionner le samedi à 10h30, le samedi après-midi, les soirs, voilà, en fonction des actualités que vous avez aussi dans votre commune. Et ça, c'est quelque chose à bien réfléchir quand vous organisez un événement. Donc ça paraît aussi assez basique. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, sur des projections où les organisateurs s'attendaient à avoir du monde parce que le film était connu, on faisait venir les réalisateurs. Et au final, il y a 7-8 personnes parce qu'en fait, ce n'est pas le bon créneau ou c'est le jour où notre association organise un autre événement. C'est vraiment une question à se poser dès le début, quoi, avant d'organiser, avant de lancer votre proposition. Et après, il y a la question, bien sûr, du thème. Donc ça, j'imagine que pareil, c'est des choses que vous savez un petit peu, mais sur la question de choisir des thèmes qui vont faire écho au quotidien des usagers aussi. Donc là, bon, je parlais de la thématique écologique, le fait de travailler avec des agriculteurs. On a organisé plusieurs fois des projections débats, des tournées de réalisateurs dans des fermes, ou avec le CIVAM. Donc le CIVAM, c'est Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture en milieu rural. J'imagine que vous avez à peu près l'équivalent ici, ou avec l'Agribio. Et en fait, on l'a organisé dans plusieurs contextes. Donc, la plus grande photo qu'on voit, c'était une projection qui s'est faite à la fin d'une journée professionnelle entre agriculteurs, mais qui était ouverte à tout public. Et donc c'était un film sur... l'installation d'un éleveur, donc ce qui a permis de pas mal délier l'élan sur le quotidien donc des agriculteurs qui venaient pour cette journée de formation, et en même temps le soir de partager ça avec le public qui venait. Et cette initiative, elle a été lancée, enfin continuée, et cette année, du coup, il y a un projet de projection dans les fermes qui s'est fait, dans différentes fermes. Élevage, dans une mielerie, etc. Donc ça, pareil, c'est des propositions qui vous permettent d'aller toucher un public que vous ne voyez peut-être pas forcément dans votre bibliothèque, et surtout d'avoir une dynamique collective, en tout cas de vous faciliter la tâche, parce que vous allez rencontrer des personnes qui ont envie d'organiser une projection dans leur lieu. Donc, je parle dans les fermes, mais ça peut être ailleurs. Et en tout cas, de faire le lien avec les collections, enfin la collection que vous avez, que ce soit sur les livres ou les films. Vous pouvez mettre en avant une collection sur certains thèmes.